Altesse royale, Excellences, Mesdames, Messieurs, en partageant l'honneur d'inaugurer aux côtés de Son Altesse royale et du chef du gouvernement de notre État hôte la 5e extension des bâtiments de la Cour, je pourrais utilement rappeler, comme l'an dernier, à l'occasion du 10e anniversaire de l'inauguration de la 4e extension, qu'il y a des bâtisseurs de l'Europe et qu'il y a aussi des bâtisseurs en Europe, au rang desquels les architectes qui ont contribué à la construction de cet édifice de justice. Il me revient d'évoquer aujourd'hui, par le biais de l'architecture, l'Europe comme une construction, comme un espace et comme une perspective. Le droit lui-même peut être évoqué comme un socle. La construction, l'espace, la perspective, le socle sont autant de notions ou de réalités qui rapprochent les travaux d'une juridiction de ceux d'un cabinet d'architectes. Construire l'Europe comme un espace de droit, de liberté et de citoyenneté sur un socle solide de règles dont l'interprétation alimente l'œuvre prétorienne ne peut réussir sans une architecture adéquate. Or, depuis l'origine, cette œuvre est accompagnée en parallèle de ce que Dominique Perrault appellerait le processus d'édification de bâtiments susceptibles d'accueillir ceux qui travaillent à la réussite de cette évolution historique consistant à rapprocher les peuples européens au sein d'une union fondée sur le droit. L'occasion m'est donnée ce soir de rappeler en quelques mots l'histoire du volet architectural de cette construction, qui permit à la ville de Luxembourg de devenir la capitale judiciaire de l'Union européenne. Depuis 1973, date d'emménagement de la Cour dans son ancien palais sur le plateau du Kirchberg, jusqu'au jour d'aujourd'hui, avec l'ajout successif des bâtiments Erasmus, Thomas More et C, la construction d'un nouveau palais, d'un anneau et de 3 tours, des architectes talentueux se sont penchés sur le berceau de l'édifice qui abrite les juges, les avocats généraux, les fonctionnaires et les agents de l'institution et qui accueille quotidiennement les justiciables, les auxiliaires de justice et un nombre important de visiteurs. La construction d'un palais pour la Cour de justice de l'Union européenne s'est étalée sur plusieurs décennies et est ainsi, à l'image de la justice européenne, elle-même en constante évolution. En parfaite symbiose avec les autorités luxembourgeoises, les présidents et les greffiers successifs de l'institution auront su dialoguer de manière ferme mais constructive avec les architectes comme Tsemius, Jamaille, Van der Elst, puis Fritsch, Herr, Heuberecht et Pasowski, et enfin Perrault. Ces derniers auront ainsi toujours bénéficié d'interlocuteurs attentifs, exigeants, respectueux et conscients de la singularité historique du défi qu'ils devaient relever. La Cour remercie Son Altesse royale et le Premier ministre pour l'implication compétente et assidue des services du ministère de la Mobilité et des Travaux publics. Je tiens à remercier tout particulièrement la Direction des bâtiments publics et son directeur Jean Leider, ainsi que le Fonds de développement et d'urbanisation de Kirchberg, placé sous l'autorité de son ancien président Patrick Gillen et de son actuelle présidente Felicie Weicker. Dominique Perrault souligne l'importance du dialogue fécond entre l'architecte et le commanditaire, ainsi que la singularité de la commande publique. Il aura trouvé en face de lui, en quelque sorte, un aigle à 2 têtes. Celle de maîtres d'ouvrage successifs, à savoir l'État luxembourgeois d'une part,
et l'Union européenne par l'intermédiaire de la Cour d'autre part. Dans la relation qu'ils auront réussi à tisser au fil des ans, ces acteurs sont toujours parvenus à concentrer leur énergie sur l'essentiel, respecter les besoins exprimés, construire dans le respect des réglementations financières nationales et européennes, et enfin suivre scrupuleusement les calendriers. Pas de résultats tangibles sans ces efforts constants, ni sans l'implication des responsables talentueux. Le rôle clé de nos deux greffiers, Roger Grasse et Alfredo Calot Escobar, doit être souligné. Sans leur investissement et celui des services qu'ils dirigent sous l'autorité du président, ce complexe immobilier n'aurait pas vu le jour. Sans le travail de l'ancien directeur général des infrastructures Francis Schaff et des directeurs des bâtiments et de la sécurité Joachim Schwiers non plus. Sans la supervision attentive et équilibrée des membres de notre commission des bâtiments non plus, au rang desquels des représentants du personnel. Les présidents successifs de cette commission, à savoir les juges Schockfeiler, Sevon, Wattelet, Jan, Schinchen, Makarczyk, Silva de la Puerta, Bonichot, Berger et Bilchen, ont suivi au fil des années le déroulement des projets dans leurs différents aspects. Inaugurer la troisième tour, c'est mettre un terme à un projet initié depuis 1995 et marquer ainsi l'achèvement du complexe immobilier tel que conçu pour héberger des juridictions et des services au sein d'un même espace, en dépit de nombreux défis politiques, juridictionnels, voire technologiques, qui ont pu influencer la définition et l'évolution des besoins. Avec l'inauguration de cette troisième tour, la Cour, c'est-à-dire les deux juridictions qui la composent et le personnel qui la sert avec engagement et talent, se trouve désormais complètement installée à l'orée du Kirchberg. Sont ainsi réunis sur un même site, de manière pérenne, l'ensemble des femmes et des hommes qui œuvrent jour après jour au développement de la jurisprudence de l'Union européenne. Pour s'en rendre compte, il suffirait aux visiteurs d'arpenter la galerie, que j'affectionne tout particulièrement, tant elle me permet quotidiennement de prendre, pour ainsi dire, le pouls de l'institution. C'est toute une vie qui s'y déploie. Autant de langues que la Cour en pratique que l'on y entend, c'est-à-dire 24. Autant de professions que les juridictions ou services comptent de métiers que l'on y rencontre. Autant de traditions judiciaires que l'Europe compte de systèmes juridiques que l'on est susceptible de croiser en la personne des représentants des États membres ou des avocats. Autant de cultures artistiques qu'il existe traditions historiques dans l'Union que l'on peut entrevoir au hasard de la découverte d'une œuvre d'art aperçue dans une salle d'audience ou d'un rendez-vous donné au pied d'une statue. La Cour est un monde en soi, certes, mais elle reste un monde ouvert. Les cabinets petits et SRA auront mis un point d'orgue avec Dominique Perrault à cette partition magistrale. Il signe ainsi la silhouette bâtiment de la Cour d'un cap ou d'une flèche comme une invitation à ce que chacun découvre les édifices. Par son maillage de couleurs et son profil élégant, la troisième tour est une invitation chaleureuse à comprendre l'œuvre de justice. Le palais n'est pas une forteresse, mais accueille en son sein une justice fonctionnelle au service du justiciable. Et pour signifier ce qui fait la richesse et l'originalité de l'institution, un jardin du multilinguisme, un jardin public, sera bientôt installé sur le parvis en écho à cette dernière tour occupée en grande partie par les services linguistiques. Une tour moderne de 31 niveaux pour une hauteur de 115 mètres qui accueille depuis cet été
des espaces de bureaux pour plus de 900 occupants. Une tour écologique, équipée d'une série de techniques de pointe en matière de rationalisation de la demande énergétique et d'utilisation d'énergie verte, qui permettent à l'institution d'obtenir la certification BREEAM, de niveau excellent. Ainsi, la cour se trouve-t-elle composée d'un palais abritant des salles d'audience et de pas perdus, entourée d'un anneau accueillant les cabinets des juges et des avocats généraux de la Cour de justice, à proximité des bâtiments posés à ses racines dans la pierre du plateau et sur ses contreforts où sont installés les cabinets des juges du tribunal. Les greffes des deux juridictions et les services de l'institution occupent les bâtiments contigus et en hauteur, reliés les uns aux autres par cette galerie imaginée par l'architecte comme un lien et une épine dorsale aboutissant au pied de trois tours harmonieuses. Pour construire un palais de justice, il faut aussi des femmes et des hommes incarnant une conjonction de talents, d'art et de compétences. Les entreprises et les personnes qui sont intervenues sur le chantier pour que Votre Altesse Royale dévoile tout à l'heure la plaque commémorative méritent de recevoir les remerciements appuyés de l'institution. Que les citoyens identifient par cette œuvre la présence et la mission de l'institution et que les acteurs et auxiliaires de la justice y accomplissent sereinement et complètement leur rôle. Tel est le vœu que la Cour de justice de l'Union européenne exprime ce soir dans cet édifice de justice. Je vous remercie pour votre présence et votre attention et passe maintenant la parole à Monsieur le Premier ministre Xavier Bettel. Monseigneur, Monsieur le Président de la Cour de justice de l'Union européenne, Monsieur le Président du Tribunal, Mesdames, Messieurs les membres de la Cour du Tribunal, Monsieur le Président du Parlement, chers collègues ministres de la Justice, Madame la Présidente du Conseil d'État, Monsieur le Président de la Cour supérieure de justice, de la Cour administrative, et je vais m'arrêter là, excellents chers amis, comme ça j'oublie plus personne. D'abord, un grand merci de m'avoir invité aujourd'hui pour inaugurer cette troisième tour de la Cour de justice européenne, et cette tour a un lien aussi avec l'extension d'une ville, l'extension d'un pays, l'extension d'une institution qui est l'Europe. Et au début, cette cour a été implantée en 52, ça a été même précurseur par rapport à d'autres institutions. Et nous sommes très fiers aujourd'hui, je dois vous le dire, Monsieur le Président, de pouvoir être l'État hôte de la Cour, et je me rappelle des réunions que nous avons régulièrement avec vous et M. Bausch, qui aujourd'hui ne peut pas être ici, où nous, avec vos services, on regarde comment on peut améliorer le quotidien des gens ici qui travaillent autour de ce bâtiment et dans ce bâtiment surtout. Alors le projet européen, Monsieur le Président, est aussi un projet de droit. Et comment pourrait-on avoir un projet de droit sans avoir aussi quelqu'un qui les contrôle, qui contrôle ses principes, qui sont fondamentaux au fonctionnement de cette Union européenne. Et vous êtes ici l'institution à qui incombe de vérifier aussi qu'on se respecte et qu'on respecte le droit de l'Union et que vous contribuez de ce fait aussi à la construction européenne. Alors moi, j'ai été avocat pendant de nombreuses années, je n'ai jamais eu la chance de venir plaider devant vous, mais j'étais maire de la ville, donc j'ai été quand même mêlé au développement de l'un ou l'autre établissement et institution ici au coin de la ville. Et M. Perrault, je dois vous dire que merci pour le choix et pour le travail effectué, car le Kirchberg faisait... Au début, ici, c'était l'entrée du Kirchberg. Et vous avez remarqué qu'au fur et à mesure, l'entrée se repousse de plus en plus. Maintenant, c'est François Bausch avec le tram qui fait l'entrée d'un côté, et la sortie de la ville, qu'on aurait pu dire à l'époque, qui était... Olrich est devenu aujourd'hui le banc de Gasperich, avec de l'autre côté, si je peux me permettre, une autre extension. Et donc, je me permets de faire ce dessin de cette ville qui aussi a évolué au cours de ces années. Et donc, quelle plus belle entrée que d'avoir ces
tours que l'on voit de loin qui brillent et qui sont, ayant moi-même un mari architecte, il est très sensible en tout cas à l'esthétique de tout ça. Donc pour moi, l'Union européenne, et Monsieur le Président, permettez-moi juste de faire ce lien, est née juste après la Deuxième Guerre mondiale. Et si à cette époque, on aurait cru, et je veux que personne ne le prenne mal, d'arriver à mettre l'Allemagne et la France autour d'une table et de travailler ensemble et de mettre des choses en commun avec d'autres pays, beaucoup de gens n'y auraient pas cru. Et on oublie que depuis 1957, nous avons la plus longue période de paix sur notre continent, qu'on n'ait jamais connue. Et que juste aujourd'hui, on se met autour d'une table, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. La famille est grande et de temps en temps, on peut avoir des différences. Mais on sait que l'Union européenne, c'est le fait d'aujourd'hui pouvoir peut-être abandonner quelque chose pour avoir quelque chose de plus grand demain. C'est ça l'idée européenne. De vouloir construire quelque chose de plus grand ensemble. Et nous vivons en coexistence pacifique et je pense que quand je vous dis que c'est la plus longue période de paix, je pense que c'est même la plus longue de paix sur un continent de toute l'humanité que nous connaissons. Et n'oublions jamais que nous avons célébré il y a quelques jours, Monseigneur, en votre présence, et je tiens vraiment à vous remercier aussi de votre présence aujourd'hui, ici, qui montre l'importance des institutions européennes avec le plus haut niveau, vous, Monseigneur, le président du Parlement, de toutes les institutions, de la justice, tout le monde voulait être avec vous aujourd'hui, pour vous montrer l'importance, pour nous, de votre présence au Grand-Duché de Luxembourg. Et nous avons célébré, c'est ce que je disais, les 75 ans de libération de la ville de Luxembourg. Et la paix, aujourd'hui, quand je dis la paix, pour beaucoup de gens, oui, on vit en paix. Mais l'Europe nous a apporté la paix, mais pas que ça. Aujourd'hui, de pouvoir travailler à l'étranger, de pouvoir vivre à l'étranger, de pouvoir étudier à l'étranger, de pouvoir tomber malade à l'étranger, d'être défendu à l'étranger, c'est l'Europe qui nous l'a apporté. Pour le quotidien, moi je me rappelle, dès qu'on partait à l'étranger, le premier réflexe qu'on avait, c'était de couper le roaming sur le téléphone. L'Europe nous l'a retiré. Aujourd'hui, quand j'ai des produits européens sur la table, je sais qu'il y a quelqu'un qui a fait des contrôles, je ne sais pas qui, mais je sais que c'est des standards qui ont été retenus, qui font que je fais confiance. Et on oublie trop souvent ce qui fonctionne dans l'Union européenne. On a tendance à critiquer ce qui ne va pas, mais on oublie de dire aussi qui marche. Et il ne faut pas oublier qu'il y a 75 ans, on était juste à la sortie des ravages de la Deuxième Guerre mondiale, et que dans la Deuxième Guerre mondiale, le fait d'être différent pouvait être synonyme d'être condamné à mort. Ne pas croire en l'idéologisme, dans l'idée nazie, être juif, être handicapé, être tzigane, être homosexuel, être de gauche, voulait dire aussi ici, dans ce pays, une condamnation à mort. Et on a trop tendance à l'oublier, ces libertés et ces droits que nous avons acquis depuis 75 ans. La paix est quelque chose que l'on doit préserver. Sur notre continent, demandez aux Ukrainiens s'ils ont l'impression de vivre en paix. Regardez les autres continents, ne croyons jamais que la paix soit quelque chose d'acquis. Mais pour qu'un système fonctionne, nous devons avoir quelqu'un qui nous tape de temps en temps sur les doigts. Et c'est vous. Pour nous dire, non, ça ne va pas comme ça. Ça, ce n'est pas correct. Alors quand nous, en conseil du gouvernement, on doit se conformer. Mais ça fait partie de votre rôle. Et c'est que comme ça que fonctionne notre union. Et c'est pour ça qu'on doit se donner aussi les moyens. Si dans certains pays, on a l'impression que certaines règles fondamentales, certaines valeurs fondamentales qui nous tiennent à cœur sont sur la sellette, de les rappeler. Car c'est à travers un système juridique que l'on fait respecter aussi la loi, mais aussi les droits de ses citoyens. Donc, c'est vous qui protégez, et votre premier arrêt date de 1954, et aujourd'hui, avec votre nouvelle cour, les juristes linguistes permettront aussi, pas de faire le droit, ça c'est vous, mais de faire connaître le droit. Car dans l'Union européenne, nous avons différentes langues. Et sans juriste linguiste et sans avoir la possibilité de transmettre
la décision dans la langue, que chacun puisse la comprendre, nous n'arrivions aussi pas à le faire. Alors oui, Monsieur le Président, je profite de cette occasion pour insister que, à côté de Strasbourg, Luxembourg et aussi Bruxelles, nous faisons partie des trois capitales européennes. Et j'insiste, et nous sommes fiers d'être le siège de la Cour de justice. Et permettez-moi donc de conclure cette allocution en vous remerciant chaleureusement de cette excellente collaboration qui existe entre votre institution et mon pays. Et vous devez savoir que vos collaborateurs, votre famille, votre travail fait partie du succès de mon pays. Et nous ferons tout pour que vous vous sentiez bien au Grand-Duché de Luxembourg. Et pour dire que pour ceux qui ne sont pas encore là, qu'ils sont les bienvenus pour venir au Grand-Duché de Luxembourg. Et nous avons toute la volonté aussi de vous aider dans l'exercice de vos tâches, si essentielles pour la consolidation et l'avancement du projet européen. L'Europe ne s'est pas faite en un jour. La paix ne s'est pas faite en un jour. Le projet européen n'est pas terminé. Mais se battre pour ses valeurs, pour ses idées, pour ses droits, est la plus belle quête que nous connaissons depuis 57. Et je ferai tout pour continuer en ce sens. Merci beaucoup. Excellences, Monseigneur, Monsieur le Président de la Chambre, Monsieur le Premier ministre, vous ne m'en voudrez pas de mon émotion. C'est un honneur, évidemment, de fêter, célébrer ce 19 septembre 2019. Voilà 25 ans, peut-être un peu plus, mais à quelques mois près, que je travaille avec vous, que je participe avec vous à l'édification de cette Cour européenne. Vous ne m'en voudrez pas, je l'espère, de me considérer un petit peu luxembourgeois. Je ne sais pas à quel moment ça arrive, mais après ça reste. Toujours est-il que cette mission que vous m'avez confiée, c'est évidemment une mission d'architecture, c'est une mission aussi de participer, comme je le disais tout à l'heure, au développement d'un quartier, d'une nouvelle partie de la ville de Luxembourg. Mais je pense que c'est surtout une mission qui renvoie à la protection et à la vision de ce que nous avons de plus riche, de plus précieux, et qui s'appelle la ville européenne. La ville européenne accepte, plus ou moins, toutes les traces du destin, pense ses plaies, marque l'histoire et développe sa géographie. Pourquoi ? Pour accueillir la justice, pour accueillir d'autres, pour accueillir aussi les nouveaux moyens de déplacement, de connexion, les nouvelles visions, cette nouvelle relation que nous avons du mal aujourd'hui à définir, mais qui ne fait que croître et qui embellira nos villes. Et je pense qu'il faut pour cela que l'on cultive cette richesse, et cette richesse, elle passe par un faisceau de talents et de compétences. Ce faisceau de talents et de compétences, ce sont d'abord des commanditaires publics, c'est-à-dire la belle et la noble commande. Ces commanditaires, je les ai pratiqués plusieurs fois et je les connais bien avec vous et je voudrais leur rendre hommage. Je voudrais commencer d'abord par les greffiers de la Cour. Les greffiers de la Cour, pour nous, ont été Roger Grasse et ensuite Alfredo Calot Escobar. Cette continuité d'hommes, de vision. Ce sont des hommes qui bâtissent, qui initient et qui perpétuent
le projet. Tout à l'heure, j'évoquais la ville. La ville, c'est une succession de couches. Elle s'inscrit dans la durée. Vous me direz, 25 ans, qu'il est là, il est un peu lent, cet architecte. Non. Nous ne prenons pas notre temps. Nous construisons ce temps. Et donc, ces hommes avec qui nous partageons ce projet l'ont exercé sous trois présidents, sous l'autorité de trois présidents. Gilles Carlos Rodriguez Iglesias, Vassilios Skouris, et bien évidemment aujourd'hui, Monsieur le Président, Cohen Lennartz. Votre Excellence, le Président de la Chambre et le Premier ministre, aujourd'hui, vous allez inaugurer la troisième tour. La troisième tour, comme le disait tout à l'heure Monsieur le Président, c'est un point d'orgue. C'est un moment qui marque, en fait, une forme d'achèvement de l'extension et de la rénovation de cet ensemble architectural. Il faut également évoquer la compréhension et l'implication des membres des deux juridictions, devant laquelle nous avons souvent présenté nos travaux, qui ont été aussi des porte-parole afin que nous puissions comprendre, adapter et mettre en place les aspects fonctionnels et concrets de ce projet. Pas de construction non plus sans administration, sans service, susceptible d'accompagner ce parcours qui n'a rien de rectiligne. En effet, l'administration des bâtiments publics, sur l'autorité des ministres successifs, a présidé, car effectivement, ce maître d'ouvrage a deux têtes, a des puissances qui sont inconnues, mais aussi des difficultés qui, elles, sont par contre reconnaissables à certains moments. Toujours est-il que l'administration des bâtiments publics nous a toujours aidés et nous a toujours permis d'apprendre et de comprendre quelle était la route pour développer ce projet. Je voudrais en particulier saluer François Brauch, qui n'est pas là ce soir, ministre de la Défense et également ministre de la Mobilité et des Travaux Publics, et rendre hommage, ou plutôt sympathie, avec Fernand Otto, directeur, et Jean Leider, directeur également des bâtiments publics. Tout ceci, c'est de l'architecture, mais ça ne se fait pas sans un projet de développement urbain. L'architecture est certes importante, car elle a révélé la mise en place, l'inscription de l'institution. Mais ce qu'il faut, c'est une terre pour que cette institution s'implante. Il lui faut des racines. Le fonds du Kirchberg a depuis toujours développé ce quartier ou la volonté, l'espoir, la vision de ce quartier. Madame la directrice, Félicie Walker, que je salue, mais évidemment les prédécesseurs, Fernand Pech, qui lui a semé les graines, et Patrick Guilaine, qui les a transformées en bouquets. Je dois dire qu'il y a sur le Kirchberg un nombre d'architectures et d'architectes qui sont très, très intéressants et qui méritent la visite. L'administration de la Cour, les directeurs ou les directeurs généraux comme Guy Lekin, Francis Schaff et aujourd'hui Joachim Schwirtz ont aussi et surtout au quotidien permis que nous puissions étape par étape, fabriquer ce projet. Des commanditaires, il y en a donc beaucoup, mais il faut qu'ils aient, d'une certaine façon, leur résonance, et pour cela, il nous faut des partenaires. Et je dois dire que je souhaite saluer tous les ingénieurs, tous les bureaux d'études qui ont travaillé avec nous, de toutes les spécialités. Je souhaite saluer évidemment mes confrères architectes, ceux qui ont disparu et qui sont à l'origine, pas tous, car Madame Consemius nous a fait le plaisir d'être avec nous hier soir. Donc, ces premiers architectes, Consemius, Jamagne, Van der List,
ont bâti ce premier palais et l'ont fait déjà dans cette idée d'une géographie nouvelle. Lorsque vous regardez ces quelques images de l'époque que l'on présente dans l'exposition qui vous a accueilli, on voit cette construction métallique qui rend hommage au Luxembourg, à la sidérurgie, qui était un des grands pans de l'économie de l'époque, qui a aussi évidemment son écho à l'est de la France. Cette industrie a permis de créer des architectures de métal extrêmement sophistiquées, comme l'ont fait nos compagnons du Tour de France, par exemple, c'est-à-dire un vrai savoir-faire de bâtisseur. Ils l'ont fait, mais ils l'ont fait aussi en pensant à ce site que j'évoquais tout à l'heure, à cette terre, qui est une terre qu'ils ont dessinée un peu en gradin. C'est-à-dire que le palais, bien sûr, ils l'ont posé sur un tapis de béton, parfaitement horizontal. Vous me direz que Haussmann en a fait de même pour l'île de la Cité à Paris. Il a régalé, si je puis dire, l'île de la Cité de façon à ce que tout soit bien horizontal afin d'y développer les institutions que vous y connaissez. Donc, il y a bien cette artificialité qui annonce un quartier nouveau, mais il y a aussi la prise en considération d'une topographie. Et cette topographie, Pachowski et Fritsch s'en sont emparés pour développer ces contreforts en granit rose. Je dois rendre un hommage particulier et avec beaucoup d'émotion à Pachowski qui nous a quittés il y a peu de temps et également dire toute mon amitié à Paul Fritsch qui m'accompagne depuis toujours et qui, je pense, on s'accompagnera encore. Des architectes encore, ceux qui ont réalisé la cinquième tour, le cabinet Jean Petit et également SRA. Beaucoup, comment dirais-je, d'investissements de tous ces architectes. Cela représente, évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, des milliers de dessins, des matériaux, toute une réflexion qui ne s'est pas faite en une fois, mais qui plutôt a été assemblée morceau par morceau et qui a, au fil du déroulement de la mise en place du projet architectural, rencontré des ambitions et des visions urbanistiques qui ont permis de faire naître cette troisième tour. Car la troisième tour, ce n'est pas un objet architectural complémentaire. C'est un objet architectural qui s'inscrit dans le développement urbanistique de la porte de l'Europe. C'est cet élan que l'on ressent aujourd'hui grâce à cette architecture, mais c'est la porte de l'Europe qui fonde l'épiphanie que j'évoquais hier de l'apparition et de la mise en place de cette troisième tour. Et puis pour finir, car tout ceci, vous l'avez compris, tient en un mot, nous construisons notre patrimoine, nous protégeons notre patrimoine. C'est un patrimoine architectural, urbanistique, mais c'est aussi un patrimoine d'ornementation et de décoration. Et je voudrais conclure en rendant hommage à Gaël Loriot-Prévost, architecte-designer, qui travaille avec moi depuis la Bibliothèque nationale, qui a dessiné les intérieurs de la Bibliothèque nationale et qui vous couvre aujourd'hui de ce dais d'or au-dessus de vos têtes et qui vous fait passer sous ce lustre de 22 mètres de diamètre. Donc merci à elle pour la beauté et merci à vous pour votre confiance.